Il fonctionne. Ouais, Ludo, assistant de Marc-Emmanuel, de Pascal le grand frère, d'Henri Lecomte le médiateur, enfin toutes les émissions de merde j'écoute. Ouais, pour l'émission Tous Ensemble, très bien, je vais prendre votre petit dossier, c'est quoi votre nom? Michel, très bien, votre mari? Michel aussi, banquier des champions, hein. Alors ça c'est de Michel, c'est génial, oui j'ai votre dossier sous les yeux, ouais. Oh là 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 là, bah, je vois que votre mari est alcoolique, oh là 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 là, bah, c'est parfait, hein. Oh c'est génial, il est alcoolique comment? Une bouteille par jour? Ah oui non, mais là c'est léger, il va falloir qu'il pousse un peu, c'est que le dossier passe. Hein. Qu'est-ce qu'il boit? Du Ricard? Ouais, bon, on va en faire livrer une palette, vous allez l'encourager. Allez. Ben, vous participez, madame Michel, c'est pas qu'un jeu, hein? Ben oui. Oui. Je vois aussi que vous avez 3 enfants, enfin, c'est marqué tuberculose, c'est pas les 3 quand même. Si! Chanceuse, hein! Oh, ben, jouez au loto, faites quelque chose, vous avez une chance de coup. Vous avez de la chance, hein? Ah, ouais, 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 ouais. Je vous cache pas qu'une garantie supplémentaire, c'est que votre mari tombe du toit ou se coupe un bras. Hein? Est-ce que vous pouvez faire ça? Bon, une petite pichenette, vous le poussez, voilà. Ben voilà, faut participer, c'est ça. Allez, vous faites ça, puis vous nous rappelez. Voilà. Allez, on lâche rien, on lâche rien. La bonne journée. Ciao, bye bye. Bisous, ciao. C'est relou, ciao. 15 jours plus tard, on retrouve Marc-Emmanuel chez les Mich-Mich. Bonjour et bienvenue à l'émission Tous Ensemble, puisqu'à Tous Ensemble, on est plusieurs et on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, nous sommes chez les Michel, hein, les pauvres Michel qui ont commencé la construction de cette merde, cette maison. Il y a bientôt 2 ans, mais malheureusement, Michel s'est coupé les 2 bras. Dans un malheureux accident de tronçonneuse. C'est affreux. D'ailleurs, Michel, mais comment il vous fait pour vous couper les 2 bras tout seul? 2 tronçonneuses? Non, je déconne pas. Vous avez 3 magnifiques enfants, Michel, Michel et Michel, hein, les pauvres petits Michel, qui sont touchés par une tuberculose foudroyante puisqu'ils dorment dans la cabane de jardin, infestée de rats. Oh. D'ailleurs, je vois qu'heureusement un 4e est en route. Non, autant pour moi. C'est énorme, oui. Alors moi, ce que je vais faire, Marc-Emmanuel, c'est que je vais aller réunir des figurants, des bénévoles, et pendant ce temps-là, vous êtes dans un magnifique petit hôtel, juste au-dessus d'un bar PMU chez Lucette. Autant dire que pour vous, Michel, ça va être un petit peu un mix avec l'île de la tentation, hein. Il s'agirait de parachuter dans la bibine, Michel, hein. De toute façon, vous me direz, oui, pas de bras, pas de chacha, allez. J'emmène les Michel chez Lucette, je fais le tour du canton et j'arrive à Bournezeau-les-Bains dans la salle municipale. Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes là? Ok, je suis Marc-Emmanuel, je suis là pour aider les Michel, les pauvres. Michel! Est-ce qu'il y a des maçons dans la salle? Oui! Oh, c'est cool ça, parce que... Bonjour, c'est quoi ton nom? Merde! Olivier! Vas-y, check, fais-toi plaisir. C'est quoi ton métier, Olivier? Vas-y, dis-moi. C'est brave, dis-moi. Ton métier, c'est quoi, Olivier? Je suis artisan. Eh ben, c'est bien ça! Tu fais quoi, Olivier, ton métier? Je vous fais des armoires. Oh là là! Léon, ça va être gavé d'armoire chez Michel. Il manque plus que ça jette des fringues, quoi. Olivier, non, j'ai besoin que tu me fasses de la faïence. On s'en fout si c'est pas droit, c'est pour les Michel, on en a rien à cogner. T'es avec nous ou pas, Olivier? Je suis avec toi. T'es un déglingo. On applaudit Olivier, c'est un déglingo. Bonjour, c'est quoi ton nom? Vas-y, Bérénice, vas-y, check. Vas-y, check 3 fois parce que Marc-Emmanuel prend la côte. Vas-y. Je suis bloqué, arrête. Bérénice, t'as bougé. Ah non, c'est toi, arrête. C'est quoi ton métier, Bérénice? Commercial en quoi? Dans le sanitaire, c'est pas mal ça, Bérénice. Comme quoi, quand on cherche, on trouve. Et Bérénice, tu vas fournir tous les chiens. Si tu veux bien, bien entendu. Mais en plus, tu feras des jambons beurre pour tout le monde. C'est pas misogyne, Bérénice. T'es avec nous ou pas? Mais t'es une déglingo! On a pas de Bérénice, c'est une déglingo! Les autres, vous êtes avec nous ou pas? Ouais, il y a qu'ensemble qu'on sera plusieurs! Oh, la phrase de merde! Vous avez vu, ça marche vraiment, hein?
En deux deux, on trouve plein de bénévoles. Le lendemain, il y en a 200 qui arrivent tous à 9h comme ça sur le chantier. Ça tombe bien, ils avaient tous posé leur congé en même temps, dis donc. Elle est pas belle l'histoire. Et le petit plus, c'est que ce sont les commerçants du coin, les vendeurs de matériaux qui offrent tout. C'est gâteau. J'imagine la gueule du vendeur de matériaux quand il voit Marc-Emmanuel arriver. Ça doit être la pire journée de sa vie. De là, non, c'est pas vrai, c'est l'autre con avec sa chemise à carreaux, merde. Francis, je t'avais dit de remettre de l'huile sur le rideau métallique, c'est pas possible. Bonjour Marc-Emmanuel, mais qu'est-ce que vous faites là, hein? Bah non, j'avais pas eu votre bagnole, non, sinon j'aurais fermé, ouais. Bah là, on a un gros souci familial, on ferme exceptionnellement à 15h, voilà. Donc vous prenez votre petite auto, au rond-point à gauche, et vous arrivez directement chez point P. Ouais, ils sont fermés. Ah, ah les bâtards. Oh, c'est pour vrai, toute la zone est... Bah oui, ils ont dû voir votre bagnole, ouais. Personne a téléphoné. Non, non, non. Bah, rentrez, je vais prendre votre commande. Rentrez. Tu m'étonnes qu'il chiale le mec. Il voit 80 000 euros de matos se barrer comme ça. Alors oui, ils ont le droit à un petit logo à la diffusion. Hein, mais à l'envers. Voilà. Ce qui fait que Big Matt devient MacBeat. Hallucinant. Tous les matériaux arrivent en temps et en heure chez Michel. La maison elle pousse comme un champignon. Le chantier se finit en 7 jours, la chape est sèche en 7 jours, Olivier. Ça te choque pas? C'est fou. Bah oui, c'est fou. Là, je peux dire que pour le coup, le parquet flottant, il est vraiment flottant. T'as tout le monde qui est là. Bah, j'ai le mal de mer, bah moi aussi. Bah, oui. Mais Marc-Emmanuel, il s'en fout. Il revient voir ses bénévoles. On a bien bossé, hein? Ah bah, on était deux, quoi. On a bien bossé, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on a bien bossé comme ça? On boit un coup. C'est Bérénice qui a sorti ça? Bérénice qui, je vous le rappelle, passe la journée au volant. Mais bon, commercial. On boit un coup, Bérénice. Le truc est marrant, normalement Michel il a arrêté de boire, je vois pas comment on pourrait... On boit un coup. On boit un coup, genre là, je... Ça c'est incroyable, c'est pas Bérénice maintenant le capicole. Oh, oh l'enfoiré de Michel! Ah bon, il a pas arrêté de boire? C'est de l'accro, je suis désolé. Ah bah c'est d'être bien sorti, quoi. Olivier, tiens, tu l'as pas volé. Oh. Bah faut l'ouvrir, mon lapin, faut voir. Ah la tienne. Bah oui, le chantier, t'as bien bossé, tu l'as pas volé, j'aime bien. Ouais, t'as bien assuré quand même, hein. La chape, c'est votre Olivier, t'as rien à te reprocher. J'y réponds qui c'est, mais je sais très bien qui c'est. Okay, bon. Ça se paiera un jour ou l'autre. Bérénice, apparemment tu craches pas dessus, tiens. Tu sais pas l'ouvrir? Bah si. Commercial dans le sanitaire. La santé. À la tienne. Les autres, je vous enfile pas parce que vous avez rien branlé. Donc je... Voilà, c'est normal. Oh, je suis crevé, je suis claqué. Bah, j'en ai ras-le-bol des chantiers de merde. Oh, j'en ai marre. Il y a des fois, je te foutrais les michettes dans la baraque, un grand coup de caiman brûlé là-dedans, bim, à dégager. Oh non, faut pas déconner. Je pense que Michel aurait préféré récupérer ses bras. Hein. Mais je peux pas faire des miracles. Oh, coupe ça à la caméra, je veux pas que ça passe à la télé, ça. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez bien rester comme ça dans le jardin. Moi, je vais chercher les Michel chez Lucette. Attends, c'est pas fini. Je leur fais visiter la baraque. Et à un moment, je vais dire, mais c'est pas moi qui ai mes gars, mon vieux. Je vais ouvrir la véranda, je vais dire, c'est eux qu'on fait tout ça, mon vous. Là, faut chialer. Je vous sens pas du tout, là. On est sur téléphone, une chaîne de gauche, faut que ça chiale. Oh là là, j'y crois pas, je vous sens pas. On va faire un essai parce que je... Attends, bon, déjà, on s'organise. Attends, bon, je vais... Admettons, je suis là. Bon, bah, c'est pas moi qui ai fait la gnognac. Bon, on s'en fout. J'ouvre la véranda, et bien, c'est eux qui ont fait la gnognac, mon vous. C'est ça que je veux voir. Alors, par contre, vous oubliez pas, c'est une véranda, ils vous voient à travers, hein. Que je vous retrouve pas en train de faire la chenille dans le jardin. Ça serait pas cohérent. On se concentre, je vous fais confiance. Olivier, tu mènes ton groupe. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on se concentre. Benoît, tu me mets une petite ambiance qui va bien, je vais chercher les Michel chez Lucette. Alors là, les bras montent, mon Benoît. Le masque. Allez, c'est parti.
Allez, Michel. Allez, viens, Michel. Michel, c'est l'heure. Allez, Michel. Allez, c'est parti, Michel. Pardon, Michel. Bah oui, il est comme ça, il est là, lui. Merde. Bah, je les ai appelés. Attends, ça peut arriver à tout le monde, Michel. Les petits Michel aussi, on y va. Bah oui, ça tousse. Allez, oh là. On se colle pas au jean, il est propre. Merci. Regardez ce qu'on a fait pour vous. C'est pas une maison, c'est un château. Regardez. Regardez, rentrez, Michel. Regardez, là-bas, dans la salle de bain, on a mis un beau jacuzzi. Ouais. Voilà, là, dans le salon, un bel écran plasma. Ouais. Et puis là, une salle de muscu avec un rameur. On va l'enlever. On va peut-être l'adapter. Non. Parce que c'est pas moi qui ai mis le rameur. Parce que c'est pas moi qui ai mis le rameur. Non. C'est eux qu'on fait tout ça pour vous. Mais oui. Mais non, c'est pas une chorale. Ils sont en train de chier. Ils sont crevés. Ils sont claqués. Il y a Olivier qui était là, qui nous a fait la faïence. Oh, mon petit Olivier, jour et nuit, t'étais là. Ouais. C'est lui qui l'a fait. Ouais, c'est lui qu'on a mis au plafond aussi, mais ça c'est Olivier, c'est une fois parti. Il s'arrête pas. Et puis il y avait Bérénice, hein, ma petite Bérénice. C'est toi qui as fait les jambons beurre pour tout le monde. C'est juste dommage que tu aies oublié le pain. Quoi. C'est... On mangeait comme des otaries, on était là. Mais t'étais là, Bérénice, et tout le monde était là. Vous savez, Michel, tant qu'on sera plusieurs à tous ensemble, ben vous serez pas tout seul, non. En tout cas, pas tant qu'il y aura de la misère, c'est-à-dire vous, et des caméras.